sacrée bestiole. Je n'ai jamais vu un sanglier pareil de toute ma vie, bon sang. Je ne dirais pas non à un verre de rhum, ça me calmerait les nerfs, tiens. Avant que les sangliers ne s'agagent tout. Tu vas à Calphéon? Ou bien ailleurs, peut-être? Bah, peu importe. Tu me donnerais pas un petit coup de main ici? Les sangliers me mènent la vie dure. Des sangliers gros comme des vaches. Ces monstres vont me saccager mes cultures, je le sens. Il faut absolument que je récolte avant qu'ils détruisent tout sur la passage. Je peux te demander un service? Oh! Maïs, pommes de terre, raisin. Alors. Pommes de terre. Des patates. Il en faut combien? 10? Non, 5. 3. Oh putain. Il est pas fou lui là? Le sanglier. Le sanglier de Cornouailles. Encore une fois, qu'est-ce que je peux jeter? Non, on s'en fiche de ça. Non, on s'en fiche de ça. Épis de maïs. Ok, surtout sans pas ton arme, je dis rien. Dans ton gros cul. Pas là, là. Putain, évidemment, on fait chier. Qu'est-ce que c'est ça? Une sanglier. Mm.
faire combien de maïs là? 7. Aïe! Tiens, c'est quoi le truc là que j'ai là? 19% de quoi? Rage occulte. Lorsque vous atteignez 100% de rage occulte, vous pouvez utiliser une version améliorée de certaines compétences de votre arc, de votre personnage. La rage occulte sera automatiquement consommée lorsque les compétences concernées seront utilisées. Waouh! Tiens ton maïs! Oh, tu as rapporté du maïs! Les sangliers n'étaient pas trop méchants? Pomme de terre. Les sangliers ne t'ont pas fait peur, à ce que je vois. Merci bien. Et le raisin. C'était dur de cuire tout ce raisin? Il a l'air délicieux. C'était qu'une seule grappe? Tu crois que ça détendra Ordo, ça? Allez, bon voyage. Ah, donne-moi tes œufs. Putain, la gueule. Toi. Waouh, tu as vu la taille de ce monstre? Ces sangliers sont sournois, ils ne s'arrêtent jamais. Épreuve de qualification. Tu viens m'aider? Si c'est Madame Norma qui t'envoie, je te fais confiance. Tue les sangliers, écorche-les et ramène-moi leur peau. Mes récoltes sont ruinées, alors je vais vendre la peau de ces bourreaux. De la peau de sanglier de Cornouailles. Ça. Est-ce que peau de cochon et sanglier c'est différent pour eux? Enfin la même chose plutôt. Ah, c'est ça. As-tu vraiment attrapé ces sangliers? Pour de vrai? Madame Norma est un excellent juge de la nature humaine. Je me sens frais comme un gardon tout à coup. La rébellion des fermiers. Ça nous inspire de te voir chasser les sangliers si ardemment. Tu aurais dû nous voir courir comme des poules mouillées. C'est décidé. Je vais me battre à tes côtés. Ah zut, il me faut une arme. Comme toi. Je vais en commander une à Laika. Sauf que je n'ai pas les matériaux nécessaires. Si tu m'aides, je te récompenserai. Promis. Un lingot de fer. J'ai bien fait d'avoir gardé mon fer, tu vois. Les lingots. Manufacture. Comment on fait les lingots de fer déjà? Je ne sais plus. Le faire. Lingot d'or noir. Toc. Lingot de fer, morceau de sucre, le stylet. Bah merde, je sais pas faire de... Lingot? Alors, est-ce qu'il faut d'abord que je transforme?
Et à partir de là. L'ingrédient d'origine naturelle qui peut être utilisé pour la Zena et peut être modifié par la chimie ou la transformation. Toi, qu'est-ce qu'on peut crafter? Ah, attends. Là, je peux rien faire. Là, je peux rien faire. Là non plus. Là non plus. Là non plus. Là, oui. Je peux pas. Non. 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 Et ça non plus. Alors, qu'est-ce que je peux crafter avec ça? Votre inventaire doit. On est mort. Faire avec ça. Alors. Les lingots de fer s'obtiennent par chauffage de fragments de fer. Ah bah tu vois. C'est vrai qu'il faut que je pense à lire ces quêtes, c'est inscrit dessus en fin de compte. Dorite, c'est pas du fer ça. Le fer c'est sur le. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un truc qui était mal modélisé. Oh la vache. C'est sur le Spellface ou je sais plus comment ça s'appelle. Sur ça. Fais pas chier toi. Cool. Waouh. Les canons et tout. Oh, GG les mecs. Soldat de la force punitive Kuruto. Si nous pouvons seulement sauver tous ces prisonniers. Une touche de discipline. Tu ne ressembles pas à un aventurier lambda. Que dirais-tu de me rendre un petit service? Nous sommes en plein milieu d'un conflit contre les Kurutos. Nous avons échangé plusieurs coups dévastateurs avec l'ennemi. Nous avons des prisonniers et eux aussi en ont de leur côté. Ainsi, tout le monde y perd et la situation stagne. Pourrais-tu te rendre à l'intérieur du camp de Kurutos et libérer les captifs? Ah, et fais ça discrètement, hein. Le capitaine déteste les mercenaires. Ouais.